Vous l'avez vu, Camille Lacour. Voilà, il était assis à votre place, Karim Slama. Il était à torse nu et tout. Non, alors, il a gardé ses habits. Je préfère garder juste la vie de mes proches, donc tout ce que les journalistes disent, je m'en fous, en fait. Donc, c'est une exclusivité du Blic de dimanche. Ils vont nous payer 500 000 francs pour garder l'exclusivité. C'est une connerie, c'est comme ça. Mais chut, il faudrait pas le dire trop fort. L'entrée est gratuite. Amenez tout ce que vous voulez, vos belles-mères, vos grands-mères, vos gamins, tout ce que vous voulez. Remplissez cette putain de patinoire qui a 4500 places. 500 personnes ont goûté ce week-end à Sion pour cette 25e édition des 24 heures de natation. Alors on va parler des bien lotis, les localités les bien lotis, peut-être pas les mieux lotis, mais les bien lotis, il y a Sion. Des vignerons et une vigneronne. Indicatif, je dis bien indicatif. Évidemment, parce que c'est une baisse. Je pense qu'il y a beaucoup qui abandonneraient. À chaque fois qu'on te sort une bouteille, on te dit que la bouteille, c'était pas la meilleure. C'est celle-ci la meilleure. Et après, l'autre d'après, c'est encore la meilleure. Et ainsi de suite. Camille a trouvé un nouveau métier. C'est sommelier en Valais. Parce que hier soir, il a goûté, je crois, tous les vins de la région. Et il les connaît tous par cœur. Voilà. Comme si c'était ça. Actidote, la boisson des lendemains difficiles. Je me suis endormi hier soir quand j'étais sur le plateau et puis voilà, je me suis réveillé ici. Et après la gourmandise, rien de tel qu'un bon éclat de rire qui dordine, mais qui rit, j'en sais rien, il n'y a rien avec qui rigole. Non, je vois pas. Il n'y a pas, voilà. Bon, bah tant pis. C'est le premier beat de la soirée. Sans référence. J'ai faim de vous, qu'en dites-vous? La tentation du sel, on coupera. Ah non, on est en direct, désolé. On peut se tirer la balle de notre côté. Peut-être ça m'ouvrira certains yeux qui étaient fermés. Qu'il faut essayer de sauter pour mieux rejaillir la tête de l'eau. C'est exactement ça, ouais.